Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou jan m konnen ou gen problèm? Et puis ke ou kontan kon sa? Ah, m pa kache di ou. Depi m komanse li bib mwen chak jou a, m santi chaj problèm mwen yo soti sou dom. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib, dégager au marché. Mais en attendant, ou qu'attendre radio télévision d'espoir? Radio vision d'espoir. Oh. Moi t'attendre une annonce comme ça, oui. Mais qui ça se a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télé Vision d'Espoir. Chaque jour, de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi, 5h30, 6h de l'après-midi, samedi, 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Madeleine Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus, amen. Un roi, chapitre 17. Le prophète Élie annonce d'une sécheresse, Élie près du torrent de Kérith. Élie le Tithbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Élie chez la veuve de Sarepta. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. « Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point,
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un hôte ?» Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Un roi, chapitre 18. Élie devant Akab, les prophètes de Baal. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris du pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir ? L'Éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour le chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera.
Mais Élie dit, « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. » Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Saisissez
les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. La pluie. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dis à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Jacques, chapitre 1er. Adresse et salutation. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Les épreuves et les tentations. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans cette entreprise. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Plus la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Mettre en pratique la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.